Ok, à Pombal, je fais big rap dans l'escalier. Président, dans le hall, j'ai vu Lian Clivo, tes plans. Onga, ouais. Mon gars, j'sers. Du taga AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. La famille a faim. Soif et vivre, ténèbres très soudain, pour nous barrer le chemin. Bon, vas-y, ferme ta gueule. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Inazuma Go Chronostone. J'ai fait une vidéo il y a quelques minutes du téléchargement, du problème et tout, du bug. Que je vais publier bien entendu avant et celle-là peut-être après ou peut-être le lendemain, on ne sait pas. Et donc on se retrouve bien entendu pour un match. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du Inazuma mais je me suis dit pourquoi pas reprendre les vieilles habitudes des matchs. Mais quelle équipe on va affronter? Ça sera mis dans le titre donc vous serez spoilé avant que même moi je serai spoilé. Parce que moi en gros je sais même pas quelle équipe je vais battre. Eh bien, nous allons battre une équipe 99. C'est décidé. Nous allons donc... C'est où déjà les équipes 99? Ah, voilà. Nous allons au Patriarche. Au Patriarche. Non, nous allons pas au Patriarche. Nous allons au Raymond... Je crois que c'est le passé. Ou non. On va pas se casser la tête. Nous allons au stade du football frontière. 2, 1, saut temporel. Et c'est parti. Et donc, bien entendu, on va faire un petit match 99. J'ai tout battu en rang S. J'ai pas encore fait tous les coffres. Il y aura une vidéo spéciale tous les coffres qui sera publiée normalement dans cette semaine prochaine. Voilà, si j'ai le temps, voilà. Mais normalement, c'est prévu. Donc, comme je vous montre, alors là, vous voyez peut-être pas très bien, tout est battu en rang S. Ça se voit. Voilà quoi. Donc, c'est parti. Donc, j'approche un peu. Voilà. Et donc nous allons affronter Belette, Ours, Oiseau Bleu. On va battre Molosse Écarlate. Sachant qu'il me manque deux objets pour les avoir tout. Donc on va prendre mon équipe personnalisée, mon équipe solo. Voilà. Donc sortez votre stylet. C'est parti. Donc niveau 99, moi niveau 97. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc mon équipe se compose de Marco Gol, d'un JP Lapin et d'un Sort sur les deux côtés, d'un Goldie en défense qui peut bloquer grâce à des tirs de loin, un Zabel et un Axel qui sont les deux alliés de l'aile. Nous avons le Vulpen avec Ryuma et Siméon sur les côtés, et nous avons Zanark et Victor en bourrin de l'attaque. Alors déjà d'une, pourquoi j'ai pris cela? Tout simplement parce que c'est des joueurs, c'est mes joueurs préférés de Inazuma, sauf JP que je voudrais remplacer par un meilleur défenseur. Mais voilà, sinon c'est vraiment des joueurs que j'apprécie vraiment beaucoup. Et eux ils ont Feltogol, sur les deux côtés nous avons Rai et Euther, nous avons Orchidée, Igloo et Félix. Au milieu de terrain, encore au milieu de terrain, nous avons Jimus et Malphas. Et en attaque, nous avons Zené, Sahel et Hazard. Hazard qui est très très bon, que j'ai déjà recruté. Donc c'est parti pour le match. Donc avant le match, nous allons voir... Non, c'est bon. J'aurais dû voir leur technique, mais c'est pas grave. Donc maintenant, c'est parti pour le match. Donc, attendez que je place bien. Voilà, vous voyez à peu près, je me place comme ça, voilà. Et c'est parti. On y va en attaque. Prends invocation. La joue vite. Invocation Oméga. Hop là. C'est parti, on s'en bat les steaks. Allez, cours plus vite. Ah, le goal. Non. Ah, dommage. C'était un peu trop long. C'était un peu trop long, mais c'est pas... Aïe, défense pas. Ah, invocation d'esprit guerrier. Victor, invocation d'esprit guerrier.
Ah ouais, il se la joue comme ça. Bon, si je les bats pas en vrai, hein, c'est juste parce que je suis en caméra, je pense, parce que... Ah ouais, il est comme ça, lui. Bon, bah, qui perd ses PT. Mais ça sert à rien de penser sans lui, on peut pas lui piquer la balle. Ils croient qu'ils ont une chance. Bon, on va utiliser une capacité spéciale, parce que je veux pas me prendre de but tout de suite. On va faire force 100 et on va faire truc carapace. Ça, c'est grâce à mon coach. Je vous préviens tout de suite. Ah ouais, il est comme ça. Alors, je vais me transformer en armure et faire déploiement de l'air. Je crois que ça se prononce comme ça. Donc, armure. Z, bien entendu. Je passe les actions parce que ça perd du temps, en fait. Mais je vais les laisser pour vous. De toute façon, je les ai battus en reste, donc on s'en fout un peu de faire plus, quoi. Ouais, vous avez pas rêvé. C'est avec Belong, Victor Belong, Mix Max parfait. Ouh, ça c'est de la course. Il court trop vite, franchement. Quoi? Je sais pas comment je les ai battus en reste, mais c'est chaud. Je les ai vraiment battus en reste. What? Ouais. Je les ai vraiment battus en reste. Comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Je vais me prendre un but. Ça le sent bien. Alors comment je vais faire pour bloquer ce tir? C'est un type... Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Marc, je compte sur toi. Et non. Bon. Les amis, je viens de vous montrer, alors, expliquez-moi. Je vous ai montré que je les ai tous battus en S. Et je viens de me prendre un de ces buts. Bon, c'est pas que j'ai le seum, c'est que, je sais pas, j'étais au meilleur de ma forme. Là, c'est... Non, je crois savoir, c'est à cause de Noël. Voilà, c'est à cause de Noël, bien entendu. Sinon, voilà quoi. Ou Miximax. On va faire Miximax le goal avec Raoui. Oui, je suis un noob. Merde, j'avais oublié que je devais laisser les actions. Bon, on va les laisser là. Bon, on tente. Ouais, ça passe. Oh là là. 7 minutes 31 de vidéo. Ouais. Ok, ça passe. Maintenant, je tire. Allez, on égalise. Technique. Double choc NX. Ça le met quasiment KO. Tellement j'ai une patate absurde. Combien? 1210, merde. Pas assez quand même. Ça en plus c'est grâce au temps. Oh non, il la renvoie, merde. J'avais carrément oublié. Bloque pas. Ah, bâtard. Ça va chauffer. Ah ouais, j'ai plus de... Alors, merde. Bon, de toute façon, je vais pas la bloquer. Bon, si je me prends une tollée, je la publie quand même sur YouTube pour vous voyez quand même que je suis vraiment pas possible quand même. J'arrive à les battre en rang S comme ça, et là, bah, j'arrive pas. Bon, ah ouais, direct comme ça. Je vais me transformer en armure et faire ça. En espérant que ça passe. Ouais, ça passe. Miximax, merde. Miximax, bah, attends, je vais aller sur le côté pour pouvoir placer le Miximax. Voilà, ça passe. Bon. Miximax. Bon, alors, on est à la 19e minute du match. On va faire un Miximax avec Vladimir et on va passer en contre-attaque. C'est chaud bouillant. Ah, ok. Il joue comme ça. Franchement là j'arrive pas à me concentrer parce qu'en fait le problème c'est que je regarde dans ma vidéo si ça bouge pas, si c'est bien. Et en gros je regarde en même temps ma DS, vous voyez ce que le problème en fait. C'est que je peux pas jouer au meilleur de ma forme en fait. Quand je suis tout seul ça va quoi. Là par exemple quand il fait une technique je regarde si ça fait bien, par exemple je vois que hop comme ça c'est mieux. C'est juste pour ça. Ouh, ah, c'est chaud.
Zanark. Alors, Zanark, quelle technique va-t-il faire? Je cite faire sa faiblesse. Par contre, je suis très très nul contre les faiblesses. Ça, c'est un défaut. Alors, type bois. Donc, c'est type air que je dois faire. C'est éclair que je dois faire. Mais je vais plutôt faire tir katana. Ouais. Combien? Ah, 1001, c'est chaud. Merde. Il a encore une technique. Il va la bloquer facile. KO. Par contre, il est KO. Donc, moi, je perds mon armure. Ah, toi, tu l'as récupéré, mais... Déploiement. On y croit, on y croit, on y croit. Dommage pour toi. Aïe, c'est chaud. Victor. Victor, on va te faire une confluence. Non, on va pas faire... On va faire l'autre esprit guerrier. Ça sera peut-être mieux. Ah, il se transforme en armure. Bon. Réfléchissons à une stratégie d'attaque. Ah là là, c'est chaud. Bon. Marc, tu vas te transformer aussi en armure. C'est un type bois, j'ai pas de type air. Tu vas tenter une double main magique. Euh... 1020. Bon. Ça arrive à combien? Ouais. Imagine 5. Ah ouais, quand même, je savais pas qu'elle était 5. Oh bah tiens. J'ai peut-être une chance. Allez, on y croit. On y croit. Marc, on y croit, on y croit. Ouais, bien. Ça, c'est Marc. Ça, c'est le Marc que j'aime. Ça, c'est le Marc que j'aime. Oh là là. Merde. Le con joue mal. Ouais, je peux plus. Putain, le con joue très très mal. Bon, on va passer l'action quand même. On joue très très mal. Bon, première mi-temps, en tout cas, je défends. C'est assez chaud quand même. Bon. Pronostic de deuxième mi-temps. Pronostic de deuxième mi-temps, je sens qu'ils vont mettre un deuxième but si je renforce pas ma défense. Sachant qu'il faut que je contre-attaque en même temps pour pouvoir au moins mettre un but et faire un match nul. Mais il faut quand même que j'en marque un deuxième but. C'est faisable. Mais c'est assez chaud quand même. Donc on tente le 2-1. On tente le 2-1. C'est-à-dire je marque deux buts et on tente de défendre. Et si j'arrive à mettre un troisième but, c'est pas mal. Donc voilà, on tente de plus se prendre un but et de marquer deux buts pour pouvoir gagner et gagner des trucs. On y va. On n'a pas dit notre dernier mot. Arrivez-vous à nous suivre. Arrivez-vous à nous suivre plutôt. Donc 51 possessions pour eux, pour moi. Et 49 pour eux quand même, j'ai plus de possessions de balle qu'eux. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ah ouais, c'est eux qui ont la balle. Mais non, tu passes en attaque. Merde, excuse-moi. Voilà. Alors que je replace bien. Voilà, c'est parfait. Ah ouais, je vais me transformer en armure et faire... Ah ouais, merde, c'est un petit bois. Une attaque feu contre un petit bois, ça peut pas passer. Ah ouais. Ah non, non, il va gagner. Il va gagner. Petit bois, ouais. C'était sûr. C'était sûr, petit bois. Ah, mais arrêtez avec vos invocations. Je vais invoquer qui? Victor a déjà activé Zanark. Ouais, Zanark. Voilà. On contre-attaque. C'est maintenant ou jamais. Bon. Les gens, les poteaux, on va tenter le 2-1. C'est ce que j'ai promis. On va tenter le 2-1. Et puis c'est tout. Ouh, c'est elle, perd son esprit guerrier. Ouh, on y va contre-attaque. Sinon, c'est bien le fond avec Yu-Gi-Oh. Ça montre un peu ma passion, quoi. Parce que oui, je suis un grand fan d'art. Allez, on tente. Double choc NX. Allons-y, voyons ce que cela donne. Si cela peut... Ah, 1391 avec talent. Ah, ça peut passer. Il y a des chances que ça passe. Sauf s'il fait un critique. Il y a des chances que ça passe. Il y a des chances que ça passe. Ah, bâtard! Ah ouais, mais il est KO. On y va, on y va,
On y va. Ouh, technique. Alors, je vous apprends. Une technique très très simple, avant que je tire. La technique KO. C'est en gros, vous avez double choc NX et boostez votre joueur au maximum. S'il la bloque, ça lui fait automatiquement KO grâce à double choc NX. Et donc après, si vous avez de la chance, vous récupérez la balle et vous marquez automatiquement. Là, par exemple, avec un éclair pulvérisant, ça devrait passer. Donc voilà, c'est une petite technique. Si vous connaissez pas cette technique, c'est une petite technique. C'est comme ça que je battais mes joueurs, en fait. Je faisais double choc et à chaque fois, ça passait. Là, par exemple, je fais du 894. Et là, ça passe. Car il est KO. Voilà, c'est une petite technique. Là, il a pas fait beaucoup de points parce que voilà. Une petite technique. Oh là là, Yuan, le singe, il est là, il est dans la place. Mesdames et messieurs, égalisation. Je vous avais dit, j'avoue pas vaincu. Ils ont mené la première mi-temps. Nous, on est comme ça. Nous, on calcule, on regarde. Vous connaissez Raymond. Ils perdent la première mi-temps et la deuxième mi-temps, ils gagnent. Bah moi, c'est pareil. Je suis Raymond. Je perds la première mi-temps, je gagne la deuxième. C'est obligatoire. Bon, en tout cas, si je perds, c'est vraiment que mon équipe est nulle. Bon. Belong veut marquer un but. Sachant que lui, il est de type terre, et moi, j'ai une technique de type feu. Ah, chaud. Chaud, 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 chaud. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il fait une attaque, donc déjà, ça peut passer. Voilà, ça passe. Ouf. Ça passe, ça passe. Pour ceux qui ne connaissent pas les bugs de téléchargement, comment on peut les régler, j'ai une technique très très simple qui a marché pour moi. Donc n'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo au cas où. Ça peut toujours servir, quoi. Et dites-moi, je vous redis dans cette vidéo, si vous voulez des let's play de Inazuma. Et si ça marche, cette technique, comme je fais, parce que j'ai pas de capture, vous voyez, j'ai pas de DS capture. Donc si ça vous convient, une petite vidéo comme ça, vous posez au calme. Où je fais une petite, un petit let's play, quoi. Par contre, si c'est Inazuma, ce sera par exemple pas des vidéos de let's play de 20 minutes. Parce que déjà, un match fait 20 minutes, vous voyez. Donc évidemment, les let's play d'Inazuma, ça peut valoir entre 40 et 50 minutes. Ça dépend s'il y a beaucoup de matchs, s'il y a un match dedans ou pas. Et les Pokémon, ça peut valoir entre 20 et... Aïe. Tant mieux que j'ai été concentré. Ça peut valoir entre 20 minutes à 30 minutes. Après, si vous voulez plus de Pokémon, voilà. Et dites-moi en commentaire s'il y a quand même des fans de Pokémon, si je fais pas des vidéos de Pokémon pour rien. Dites-moi au moins si dans mes abonnés, il y a des fans de Pokémon. Et s'il y a des fans de Pokémon, voulez-vous des vidéos de Pokémon? Tout simplement. En tout cas, j'ai prévu de Pokémon Donjon Mystère Explorateur. Non, Pokémon Méga Donjon Mystère. Donc voilà. Il y a ça prévu au programme. De toute façon, je ferai peut-être une vidéo spéciale. Ce que j'ai prévu pour ma chaîne. Mais j'ai prévu quand même pas mal de choses. En tout cas, des let's play. En tout. Par contre, il y a les cours. Donc les let's play peuvent. Il n'y aura pas de jour spécifique pour les let's play. Ça sera surtout publié le week-end. Voilà. Mais après, il y aura peut-être... Bon, applaudissez-moi, c'est parfait, ça. Franchement, c'est parfait. 2-1. Pouf. On est dans la place. Ah là là, oui, quand je dis on est dans la place, on est dans la place. Allez, c'est parti. On met un troisième but, et puis on a l'avantage. Ah, invocation. Ok, on va le laisser faire. Par contre, on va avancer un peu plus vite, pour pas que la vidéo dure assez longtemps, quand même. C'est un type feu. Avec un... Ah ouais, je sais pas quelle attaque faire. On va faire ça. Normalement, ça passe. Donc lui, il fait attaque. Moi, je fais brume épaisse. C'est brume épaisse qui gagne, comme par hasard. Vas-y, monte. Oh non, non. Oh non, l'erreur. L'erreur défensive qui contre. L'erreur défensive qui monte. L'attaque monte. Est-ce la fin pour Raymond? L'attaque est en train de monter. L'attaque est en train de monter. Interception fantastique de la défenseuse. Contre-attaque. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Mesdames et messieurs. Ouais, je sais, j'aurais pu faire, voilà.
Non, je rigole. On va faire une confluence sur sur Victor. Ce sera peut-être pas mal. Oui, je lui ai mis ça. Parce que c'est un type fou et ça peut quand même pas mal le faire, quoi. Aïe. Nous sommes déjà à 20 minutes de vidéo. Il y a du blabla, il y a du blabla, mais il y a quand même du match. J'espère que ça vous plaît, des petits matchs comme ça d'Inazuma. Ah, Marc. Marc, c'est chaud. Marc, c'est chaud. Marc, c'est chaud. Ah, putain. Ah, punaise. Marc, tu me déçois. Il me déçoit vraiment beaucoup. Ah, il est chaud. Ah, je peux. Bah, je vais faire confiance quand même. Parce que c'est son meilleur... voilà. Ou chaud. Le match commence à s'épuiser, mesdames et messieurs. Le match commence à s'épuiser. Je me transforme en armure. Ah non, j'ai 600. Ouais, mais ça se transforme en armure. Je réfléchis. C'est un type feu, je suis... Il tente n'a rien. On tente. Ok. Il tente une technique de type feu. Sachant que je suis de type terre. Il fait du... Ouais, je l'ai. Je l'ai facile. Les yeux fermés. Ouais, voilà. Les yeux fermés. Allez, j'ai dit 2-1, bah finalement il y aura peut-être 3-1, on y croit. Allez Bilong, on y croit, je compte sur ta force et le savoir-faire. Ah bah oui, facile, pour 1. J'ai rien dit les gens, j'ai rien dit. J'étais trop sûr de moi, mais quand je dis trop sûr, c'était vraiment trop sûr. Là, ce qu'on va faire pour pas se prendre de but, on va faire le gros rageux. On va laisser passer les techniques car ça perd plus de temps. C'est une technique comme les autres. Ah ouais, 26 minutes. Chaud, 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 chaud. Chaud. Bon. Là, on va faire perdre du temps. Et Marc va facilement le bloquer. Normalement, il la bloque parce qu'il n'est pas un esprit guerrier. Donc Marc va se transformer en armure et va faire double main à Sébastien. Zéro magnum. Ah, ça c'est chaud. Bloc là. Je compte sur toi, Marc. Marc, nous comptons sur ta force. Tu la bloques. Tu la bloques. Ouf, t'es pas KO. Oh, j'ai eu peur. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, populaires de la communauté Inezo Gamer, voilà, j'y arrive. C'était une petite vidéo de maths, donc on va d'abord quand même voir ce qu'on a débloqué. Bah oui, on va quand même voir ce qu'on a débloqué. Qu'est-ce qu'on a débloqué? Ah ouais, ils ont quand même rattrapé en possession de balle. Ils sont à 54 et moi 46, ah ouais. Un jeton spirituel et un pendentif d'espoir. 2732 points de motivation et d'amitié 3491. Pas mal. Donc, nous allons nous quitter là-dessus. Si vous voulez d'autres vidéos de match, dites-le moi. Si vous voulez des let's play, dites-le moi en commentaire, bien entendu. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde. Restez comme vous êtes, car vous êtes géniaux. Peace tout le monde. Allez, bye bye. Vers le monde, allez, let's go. Il part de moi, mais je les laisse. Gros, tu t'inquiètes, je suis pas la laisse.